j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plus légère. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais alors, c'est vraiment pas quelque chose d'inédit sur YouTube. Je vais vous faire un haul Vinted. Alors, Vinted, on ne la présente plus. C'est une application où on peut acheter des affaires d'occasion, notamment des habits. Donc, on peut acheter à des vendeurs français, mais maintenant, on peut acheter à des vendeurs italien, belge, espagnol, de ce que j'ai vu, après peut-être plus. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée par Vinted, mais je veux juste vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai fait beaucoup de dépenses sur Vinted ce mois-ci. Donc là, moi, je suis dans mon budget du mois de mai. J'ai un gros budget habillement puisque je dois habiller mon fils aîné qui va avoir 13 ans de haut en bas. Mon fils cadet qui va avoir 11 ans de haut en bas également. Et moi, je me suis acheté aussi quelques petites choses. Alors, il y a des choses qui ne viennent pas de chez Vinted. Il y a des choses que j'ai achetées neuves, mais que je vais vous montrer parce que je les ai reçues là. Ça me fait, en fait, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un petit peu. Donc voilà, le but, c'est vraiment pas de venir me dire que ce que j'ai acheté là, c'est vraiment trop cher. J'aurais pu le trouver moins cher ailleurs. C'est pas le but, en fait. Le but, c'est vraiment juste... juste de vous montrer. Donc, on va commencer tout de suite. Des chaussures pour moi. Moi en été je mets toujours des sandales, mais alors le genre de sandales, vous voyez comme ça, pas de talons ou vraiment très peu, hyper confortable, pas de bluff pour les enfiler, pas de bluff pour les retirer, c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce que moi les allers-retours dehors au printemps, été quand il fait beau, eh bien c'est 50 fois par jour, donc je les mets, je les retire. J'ai pris la marque Kickers. Voilà, elles sont comme ça, le modèle c'est le modèle Anna. J'ai pris des Kickers parce que je sais que les Kickers c'est vraiment une très bonne marque. Moi j'en ai déjà eu, elles m'ont fait 5 ans, mais alors 5 ans d'une utilisation intensive vraiment au niveau des sandales. Par contre je n'ai acheté que des sandales jusqu'à présent. Enfin, la première paire que j'avais, je ne l'ai pas réellement achetée parce que c'est ma soeur qui me l'avait donnée. Et c'est d'ailleurs la seule paire de sandales que j'ai eue, mais elle a fini par me lâcher. Et je me suis promis l'année dernière que je pourrais m'en racheter une paire et j'ai pu me la racheter. J'étais super contente, je l'ai trouvée. Elle se vendait 75 €. J'ai réussi à les trouver à 62,99 € en neuve. Et elles étaient d'occasion sur Vinted. Très peu portées, mais elles étaient portées quand même parce que on voyait la trace des pieds ici. Vous voyez dans les nu-pieds, on voyait la trace d'appui des pieds. Donc ça avait été porté un peu quand même. Et elles étaient à 53 €. Je sais que la personne les avait payées 75 €, du coup, mais moi, neuve, en fait, je les payais 62,99 €. Donc, du coup, je les ai achetées en neuve. Donc, celle-ci, je sais que... oui, certes, c'est peut-être un petit peu cher, mais moi, pour les chaussures, je mets toujours le prix parce que je veux que ma paire de chaussures me dure longtemps. Moi, j'achète pas une paire de chaussures pour qu'elle me dure 3 mois. Ça, au niveau des chaussures, je fais toujours attention. Surtout si je me trouve une bonne paire de chaussures qui me convient bien. Parce que moi, mes pieds, ils sont un peu capricieux. Si je suis trop serrée, ça va gonfler. Si c'est trop serré, je vais choper des engelures et tout ça. Donc, je fais assez attention à comment je chausse mes pieds. Donc, si je me trouve une bonne paire de chaussures, j'aime autant qu'elle me dure super longtemps. Donc, ça, c'est pour moi. Ensuite, j'ai dû acheter des chaussures pour Valentin. Alors officiellement, Valentin, il a eu une nouvelle paire de chaussures il n'y a vraiment pas longtemps. Mais la paire de chaussures que je lui ai achetée, il ne les aime pas. Elle lui ferait mal, mais je le soupçonne vraiment de ne pas aimer cette paire de chaussures et qui ne me l'avoue pas. Mais par contre, son frère Thibaut les aime beaucoup et lundi de la rentrée, Thibaut me dit « Maman, je mets les chaussures de Valentin parce que les miennes sont trop petites. » Et j'étais là « D'accord, d'accord. » Donc du coup... les chaussures de Thibaut que je lui ai achetées il y a un mois sont déjà trop petites. Du coup, Thibaut a pris la paire de chaussures que son frère n'aime pas. Mais du coup, son frère se retrouve sans chaussures. Du coup, là eh bien, c'est lui qui les a choisies. Je les ai achetées en vente privée. Je les ai payées 35 €. C'est de la marque, mais 35 €, c'est le prix que je mets pour les baskets de mes enfants. En général, je les achète à Decathlon. C'est le prix que je mets en général pour une paire de baskets à Decathlon. Et là, c'est une paire de chaussures. C'est de la marque. Alors, je prends de la marque parce que mon fils, maintenant, c'est un ado. Et parce que, voilà. De toute façon, je ne l'ai pas payé plus cher qu'une paire de chaussures chez Decathlon. Après, il faut espérer que ça dure. Après, étant donné que, clairement,
Bah, ils changent de pointure tous les 1 mois et demi, 2 mois en ce moment. Je pense qu'elles n'auront pas le temps de s'user. Donc, je vais les découvrir en même temps que vous. C'est mon fils qui les a choisis. Moi, clairement, j'aurais pas pris ça. C'est mon fils qui les a choisis. Voilà. Puis la taille 41. Donc, j'ai le regret de vous annoncer que maintenant, que ce soit mon fils aîné ou mon fils cadet, ils ont des plus grands pieds que moi. Non, mais je suis assez contente parce que moi, je fais un 40 et en fait, ben, je complexe vachement, en fait, de ma pointe. Enfin, je complexe, non, je complexe plus. Mais quand j'étais plus jeune, je complexais beaucoup de ma pointure. Je faisais un 40 et toutes mes amies faisaient moins. Alors, mes amies faisaient un 36, faisaient un 38. À chaque fois, on me disait, ah, mais t'as des grands pieds. Et en fait, je me rends compte qu'au final, 40. Bah c'est pas si rare que ça en fait. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, mes enfants font une taille de plus. Donc Valentin est à la maison aujourd'hui parce que eh bien il fait encore l'école en distanciel. Je vais aller lui montrer. Bon, je sais qu'il va pas entendre, mais vous trouvez pas que ça fait chaussures de bowling? Hein? Si, hein? Donc je suis allée apporter les chaussures à Valentin, il les a essayées, elles lui font et elles lui plaisent. Et ça y est, il a avoué, il m'a dit le problème c'est que les autres chaussures elles étaient toutes blanches. Donc voilà, bon ça va, je m'en sors bien parce que son frère les aime, mais je pense que maintenant c'est terminé en fait d'acheter des affaires pour mes enfants, enfin pour mes garçons surtout, sans leur demander leur avis, c'est terminé. Parce qu'il y a encore quelques mois, t'achetais quelque chose pour les enfants, puis ils n'en avaient rien à faire quoi, l'important c'est que c'était leur taille. Mais maintenant, ça commence à changer. Alors, voilà la pile de colis. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Il y en a, enfin, il y en a un tout petit peu pour Margot. Margot, j'ai juste acheté une paire de chaussons. Parce que, bon, Margot, les chaussons à la maison sont devenus trop petits. Bon, ça va être une vidéo all vintage, mais avec des anecdotes et plein de trucs. Donc, ces chaussons à la maison étaient trop petits. Et papa, on était le samedi. Le samedi avant Pâques, et papa lui dit, ben, on va aller faire des courses, et puis papa va t'acheter des chaussures. Elle était contente comme tout, la petite, mais alors, vous imaginez pas à quel point elle était contente, quoi. Et en fait, on est arrivé à Leclerc pour acheter des chaussons, sauf que le rayon était fermé, avec cette histoire de confinement. Donc voilà, ma petite fille, elle était mais désespérée de ne pas pouvoir avoir sa nouvelle paire de chaussons. Du coup, voilà, j'ai réussi à en trouver sur Vinted. Bon, je sais que pas que ça date maintenant, mais voilà, j'ai réussi à en trouver sur Vinted dès comme elle voulait. Mais je vous dis ça, mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. C'est bien parce qu'il y a plein de scotch. Mais du coup, pour ouvrir, c'est la galère. Après, je dis ça, mais moi, quand je fais un envoi Vinted, c'est pareil. Hein. Il y a du scotch, voilà quoi. Hein. On ne vole pas le colis, hein. On n'ouvre pas comme ça. Hein. Hop, on est sorti. Merci pour votre achat. J'espère qu'elles feront une heureuse. Oh, mais oui! Mais oui, mais carrément, carrément. C'est les chaussons. Et voilà. Alors, ce sont des chaussons isotonaires. Moi, j'adore les chaussons isotonaires. Moi, je ne porte que des chaussons isotonaires. La couleur, c'est pas forcément la couleur que je voulais, mais il n'y avait pas grand-chose dans sa taille. Dans cette. Comment? Cet état-là, parce que là, elles sont vraiment dans un état nickel. Ah oui, ça a été très peu porté. Enfin, en même temps, vous voyez bien, enfin, je ne sais pas pour vous. Moi, je porte toujours des chaussons à la maison. Margot, pas toujours. Mais alors, mon mari et mes deux garçons, c'est zéro chausson. J'ai acheté des chaussons à mes enfants jusqu'à ce qu'il y a 2 ans. Ils ne les ont pas portés, je les ai revendus sur Vinted, neufs, jamais portés, parce que mes enfants ne supportent pas de mettre des chaussons. Et je comprends pas, parce que moi, je ne supporte pas être sans chaussons. Des petits chaussons pour Margot, la vidéo, elle va durer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Un autre colis. Ah, c'est vrai, c'est pareil, il y a plein de scotch aussi. Et là, je pense aux gens qui sont sur Vinted, qui attendent que je valide pour avoir leur thune. Alors, Clémence, hop, ça c'est pour moi, bonne réception. Eh ben, écoute. Voilà, ce sont des chaussons aussi. Mais ceux-là, ils sont pour moi et effectivement,
Effectivement. Effectivement, ils sont neufs. Hein. Un vrai plaisir. Donc moi, c'est pareil. Moi, les chaussons, pour moi, c'est isotonnerre. Mais alors, isotonnerre comme ça, vous voyez, ballerine, c'est-à-dire avec la semelle plate. Parce que, alors, il existe des chaussons avec des talons. Qui porte des chaussons avec des talons? C'est tellement pas confortable, je trouve. Et surtout, je veux que, voilà, je veux pouvoir mettre tout mon pied. Parce que si c'est juste une sorte de savate où il n'y a pas de truc là, moi, dans les escaliers, je me casse la figure, en fait. Donc, du coup, moi, les chaussons, c'est isotonnerre et c'est exclusivement ceux-là. La grosse chiante. Et d'ailleurs, je vais les changer tout de suite parce que ça, ce sont mes chaussons que j'ai, voilà. Et ils sont défoncés. Ils sont sales, mais en fait, je les ai pas lavés parce que je savais que j'allais en changer. Mais voilà, ils sont... Voilà, ils ont servi. Hein. Ces chaussons-là, ils ont... Ils ont facilement un an, facilement un an. Donc voilà. Ah, quel plaisir. Ouh. Ah, ils sont trop trop bien, ça fait du bien. Et ouais, en fait voilà pourquoi il était temps quoi. Après je leur en veux pas parce que bon, des chaussons comme ça, celles-ci je crois qu'ils avaient payé 25 balles. Après celles-ci que j'ai acheté là, clairement je les ai pas payées moins cher, hein. Ça m'a revenu au même prix, mais voilà, je voulais les acheter d'occasion pour que voilà, quelqu'un qui ait besoin d'argent, qui a acheté cette paire de chaussons là et qui finalement ne s'en sert pas et qui voilà, qui est deg d'avoir dépensé 30 balles, en récupère. Voilà, je suis altruiste, je pense aussi aux autres, mais voilà, ils sont défoncés. C'est sûr qu'une paire de chaussons comme ça, comme je disais, ça coûte 25 balles. Mais ça fait un an que je les porte et je les porte tous les jours. Moi, mes chaussons, je les ai. Tant que je suis chez moi, j'ai mes chaussons. Voilà, ah ouais, là, clairement, il était temps de les changer. Je suis trop contente. Bon, allez, on passe au reste. C'est toujours marrant, les cartons qu'on a. Là, c'est... chien de taille moyenne. Ces cartons-là, je les garde tout le temps. Tout le temps. Je les replie et comme ça quand je fais des ventes Vinted ça remarche. Allez, on va sortir. Hop là. C'est une abonnée Facebook qui m'a dit, moi aussi je vends des affaires, enfin je vends ce que tu cherches, et du coup j'y suis allée. Donc j'ai pris un Bermuda, ça c'est pour mon Thibaut en taille 12 ans. Voilà, alors Thibaut il fait une taille 12 ans, mais alors Thibaut il est comme ça, il est pas maigre, mais alors il n'y a rien trop, je vois Valentin il est un peu comme son père il a un bon boule quoi, il voilà, et des bonnes hanches et tout quoi, mais alors Thibaut il a juste ce qu'il faut. Et du coup, en fait, c'est surtout au niveau de la taille que des fois, il y a des pantalons qui sont beaucoup trop grands pour lui. On pourrait en mettre deux. Mais par contre, en hauteur, il est très très grand. Mais ça, enfin, les hommes de ma famille ont été tous comme ça quand ils étaient jeunes. Ils étaient tous grands et très très secs. Donc ça, quand je vois là, ici, là, comme ça, c'est pas très très grand. Mais je sais que ça va lui aller. Donc impeccable. Il est très beau, un Bermuda comme ça. Moi j'aime les hommes en Bermuda, et j'aime mes enfants en Bermuda, et j'aime les Bermudas. Mais Bermuda, pas les shorts. Ça par contre les shorts j'aime pas. Mon mari aime beaucoup les shorts, mais alors moi pas du tout. Ensuite un pantalon. C'est un Levi's parce que voilà, maintenant pour habiller mes enfants, je sais pas trop où les habiller en fait. Et les jeans Levi's, ça matche bien avec eux. Donc jeans Levi's d'occasion qui est... Franchement, il est nickel. Alors, je ne sais plus combien est-ce que j'ai payé, mais je vous mets les prix que j'ai payé en bas. Alors, c'est un 508. Alors, moi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais vu la forme, ça, c'est le genre de forme qui va aller bien à mon Valentin. Alors, c'est un taille 14 ans, donc normalement, il ne devrait pas le mettre très longtemps. Mais après, son frère récupère. Alors, Valentin et Thibaut n'ont pas du tout le même style vestimentaire, mais alors pas du tout. Et même, j'ai envie de dire, Thibaut, quand il voit que c'est son frère qui l'a porté, il est là, « Ah, il ne veut pas le mettre !» Vous voyez bien. Mais au niveau des jeans, ça, par contre, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des hauts, ça ce sera non. Donc ça, je vais le faire ici à Valentin. Et ensuite, il y a un comme ça. Ça, c'est du 14 ans aussi, je crois bien.
Voilà. Oh, il est peut-être même plus large. J'essaye pas. Oh oui, ça c'est un 16 ans parce qu'il est même trop grand pour moi. Donc ouais, voilà. Il n'y a pas la taille. Ah si, la taille, on va peut-être la trouver là. Taille 14 ans, oh, ça me paraît grand. Ça me paraît très grand. Après, ouais. Ouais. Bref, ils essaieront. De toute façon, Valentin, il lui faut des pantalons parce que ses pantalons commencent à être. Vous voyez, ça arrive vraiment juste. Mais je me suis dit, au pire, si c'est trop petit pour Valentin, parce que Valentin, comme il est entre deux tailles, puis comme toutes les marques ne font pas toutes les mêmes tailles aussi, je me suis dit, au pire, ça ira pour Thibaut. Donc, un jean comme ça. Enfin, bon, vous voyez peut-être pas bien, mais voilà, c'est un jean noir. La marque, c'est Hollister. Je ne connais pas du tout, moi, vous savez, en marque de jean, à part Levi's, je m'y connais pas beaucoup. Donc celui-là, il est noir en plus. Alors Valentin, lui, aime bien tout ce qui est sombre. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, tac, tac. Alors, tac, ensuite. Voilà. Je crois pas que j'ai commandé ça. C'est peut-être un cadeau. Faudra que je voie, mais il me semble pas avoir commandé ça. Mais c'est peut-être un cadeau. Donc ben, voilà. Ensuite, j'ai commandé pour moi. J'ai commandé une robe. Comme ça. Alors celle-ci, cette robe-là, faisait partie d'un petit sondage que j'avais fait sur Instagram. J'avais quatre robes que je trouvais magnifiques et j'avais demandé aux personnes, ben voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Donc celle-ci était à 4 euros, il y en avait une autre à 3 euros, une à 36 et une à 30. Alors clairement, les gens m'ont dit, celle à 36, celle à 30, c'est beaucoup trop cher. C'est pas la même marque en fait, parce que les autres robes, c'était les deux premières robes qui coûtaient plus cher, c'était la marque Comptoir des Cotonniers, et voilà, c'était beaucoup plus cher. Mais en fait, celle-ci était vendue par la personne qui vend les fringues de Valentin en fait. Du coup, je l'ai pris, j'ai dit 4 euros, voilà. Puis en plus, il y avait une réduction, je la trouve magnifique et elle me va jusque. Donc ça va aller, elle est pas trop courte. Et elle est vraiment super belle, j'ai hâte de l'essayer. Alors ensuite, ah ça y est, t-shirt à manches longues. Celui-ci, ouais. Celui-ci c'est un 14 ans, mais je le vois, c'est ça, ça sera pour Thibaut. Ça, c'est un short de bain, ça c'est pour Thibaut. Oui, parce que je me projette en fait. Je veux vraiment qu'on parte en vacances cette année. Et du coup, j'ai commencé à acheter. Bon, c'est parce que voilà, c'est parce qu'il était pas cher. C'est parce que la dame le vendait. Et il y avait, je crois qu'il y avait jusqu'à 30% de réduction pour les lots. Donc j'ai pris. Puis voilà, je me suis dit. Voilà, il était à 5 euros, je crois. Alors, on continue. Ensuite, t-shirt à manches longues. Celui-là, c'est un 14 ans, mais à la taille, je sais que ça sera pour Valentin. Il est tout simple, mais c'est très bien parce que Valentin, lui, il a, lui, tout ce qui est fioritures, chichi et tout, ça ne lui convient pas. Valentin, c'est un caporal. Et encore, vous voyez, il y a des boutons. Il y a moyen que, que ce soit trop élaboré pour lui. Ensuite, un autre t-shirt, celui-là c'est en 16 ans, ça c'est pour Valentin, donc c'est pareil. Alors à manches longues, Valentin n'aime pas être bras nus, il préfère avoir les manches longues. Alors l'année dernière, pendant qu'il faisait super chaud, il était en t-shirt avec les manches longues, j'étais là, mais il va mettre un t-shirt sans manches, enfin la manche courte quoi, mais non, il ne veut pas. Et donc là, quand j'ai dit, bon, bah, il faut racheter des habits, il m'a dit, maman, achète-moi des t-shirts à manches longues. Si tu m'achètes des t-shirts à manches courtes, ça sert à rien, je ne les mettrai pas. Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, à la rigueur, voilà, ça sert à rien d'acheter. Voilà, c'est la période. Ils sont vraiment super beaux, les t-shirts. Ils sont dans un état impeccable. Vraiment, je suis super contente. Ça, c'est un Teddy Smith. 16 ans, donc c'est pareil. J'aime bien sentir les habits, ça. Ouais. Mais enfin. Je les lave de toute façon, quoi qu'il arrive, mais
Je sens toujours voir si. Parce que des fois, t'as des mauvaises surprises, des fois, t'as des fringues qui sentent la pisse de chat, t'as des fringues qui sentent le tabac, t'as des fringues qui sentent comme chez ton grand-père. Enfin, tu vois bien un peu l'humidité et tout. Ensuite, on a celui-ci. En taille 16 ans aussi. Franchement, celui-ci, vu le toucher, j'ai un doute sur le fait qu'il ait été porté, quoi. Vu. Puis même. Regardez là, l'étiquette, c'est une étiquette imprimée. Elle est pas abîmée, rien du tout. Et enfin, je... ouais, franchement, c'est cool. Hop, encore. si c'est bon, un t-shirt. Celui-ci est à manches courtes. Mais voilà, quand même. Hop, donc pareil, en 16 ans. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, et le jean, c'est un 511 slim, c'est une taille 16 ans, donc je compare par rapport à moi parce que Valentin fait la même taille que moi. Ouais, il va pas le mettre tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Et il est magnifique, il est vraiment dans un état parfait. Après, je veux dire, un jean en taille 16 ans, en général, c'est pas une taille qu'on garde super longtemps, quoi. Ça grandit à cet âge-là, quoi. Donc, par contre, les poches sont assez petites pour un Levi's. Oh, quoique. Voilà, donc ça, c'est pour le colis que j'ai acheté à cette dame là, donc cette dame là adorable et des fringues super belles puis super bien présentées et tout. Franchement, je suis contente. Les t-shirts là, ils ont été très très peu portés, donc mon fils va les porter. Si Thibaut les aime, il va les porter, et si Thibaut ne les aime pas, je vais les mettre en vente. Donc vous voyez, ça fait un cycle. Et puis moi, je vais les mettre en vente genre encore moins cher, donc ça pourra servir à quelqu'un qui, voilà, qui veut acheter de la marque à petit prix. Parce que moi, clairement, des fois on regarde des t-shirts neufs Levi's à 30 balles, moi j'achète pas, quoi. Non, j'achète pas, sauf si c'est pour mon mari et que voilà, et mon mari ne grandit plus. De toute façon, est-ce que c'est possible de grandir encore plus que ça? Enfin voilà, mon mari ne grandit plus. Je peux à la rigueur dire j'achète un beau t-shirt à 30 balles, voilà, parce qu'il va le garder longtemps. Mais là, acheter un t-shirt à 30 balles, un pantalon à 70 euros qui va mettre un mois et demi, deux mois, et que tu vas vendre genre 15 euros parce que les gens ne veulent pas mettre plus que 15 euros. Enfin, j'extrapole, mais voilà, quoi. Moi, je dis Vinted, ça déchire. Bon, j'en ai encore deux à ouvrir. Et je vous montre. Alors, bizarre. C'est là que je me rends compte que moi aussi je scotche comme une dingue et que comment je dois saouler les gens avec ça. Oh, adorable aussi. Bonjour, je vous remercie pour votre achat. Profitez-en bien, Elodie. J'ai un petit échantillon de parfum avec. C'est pas adorable ça. Et un petit papillon de colis, regardez. Les gens, comment ils sont adorables. C'est une robe qui est dans mes favoris depuis un mois et demi. Mais elle était au prix de 45 euros. Et 45 euros, franchement, c'est pas forcément cher parce que la robe coûte cher de base et elle a été sans doute très peu portée. Mais voilà, j'ai mis dans mes favoris, voilà, pour... comme une liste de souhaits que tu n'achèteras jamais finalement, quoi. Et je reçois une notification comme quoi le prix est passé de 45 à 39. Bon. Et le lendemain, c'est passé de 39 à 36. Écoute. Et puis 36 à 34. Bon, bah, j'ai dit donc, waouh. Du coup, j'ai envoyé un message et lui ai dit bonjour, bah, je vous en propose 31 euros. J'ai tenté ma chance. Et elle m'a répondu, eh bien, je suis d'accord. Bon, bah voilà, j'ai envoyé et puis
Mais vraiment, la vendeuse, adorable. Hein. Franchement, Elodie, tu es une des vendeuses les plus adorables que j'ai jamais eues. Elle est vraiment adorable. Et donc, je vous montre la robe. Je sais pas si vous allez bien la voir. Et voilà. Je la trouve magnifique. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Et puis, c'est le principal. Mais voilà, donc c'est une robe comptoir décotonnée. Elle est magnifique. Elle va être supra légère pour cet été. Elle est en soie. Elle est dans un état impeccable. Je suis vraiment super, super contente. Peut-être que j'ajouterai une ceinture. Bon, moi, j'ai pas de ceinture comme ça. Moi, tout ce qui est petit truc comme ça, j'ai pas. Ou alors, je ferai moi-même une ceinture avec de la cordelette, on verra bien. Mais voilà, ça, je suis super contente. Donc, je l'ai payé 31 €. Mais je suis trop contente parce qu'à la base, elle était à 45 €. Enfin, la vendeuse la vendait 45 € après en magasin. J'ai pas été voir combien elle coûtait. Après, c'est pareil, c'est sûr qu'en magasin, elle peut coûter tant. Mais c'est possible que la personne l'ait acheté dans une vente privée ou que ce soit un cadeau ou quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, elle est... je la trouve magnifique. Elle sent très très fort un peu le désodorisant, vous voyez, pour linge. Et ça, ça c'est pas toujours agréable parce que moi je suis habituée à avoir du linge nettoyé avec du savon. Après, j'utilise encore de la lessive, mais c'est pas un truc qui sent super super fort parce que du coup nous on est devenu sensible à tout ce qui est tous ces parfums de synthèse et tout. Et des fois, mais ça va, c'est pas entêtant. J'ai déjà eu pire. Quand j'avais commandé un jean, la personne l'avait envoyé et elle avait mis une lingette qu'on met dans le sèche-linge dedans. Vous voyez ce que je veux dire, les lingettes qui sentent très fort, quoi. Oh, bah alors c'était entêtant, ça m'en avait mis mal au crâne. Enfin bref. Et ensuite, suivant, je suis en train de me demander qu'est-ce que c'est ça. Bon. Ah oui, si, ça y est, je sais ce que c'est. Et attention, et tadam! Oui, j'en ai acheté une autre paire. Bon, celle-ci est vraiment d'occasion, ça a été porté, mais je les ai payées 11 €, 12 €. Et bon, on en revient toujours à la même chose. Kickers, c'est une bonne marque, moi je sais que ça dure. Ça a été, franchement, ça a été vraiment peu porté. Je voulais avoir une autre couleur avec un petit talon pour que ça fasse un peu plus... un peu plus sortie et tout. Après, moi, quand je sors, je me mets pas sur mon 31 et tout. Enfin, moi, quand même dans un mariage, même dans un truc très... voilà, ça se voit que, voilà, que je suis une personne qui a mis les fringues qu'elle avait, quoi. Parce que c'est comme ça, voilà, j'aime bien. Mais voilà, ça, pour moi, ce genre de truc-là, c'est... avec le talon, là, baptême. Ça c'est pour le baptême de mon petit cousin, quoi, hein. clairement, voilà, bon, c'est bon. Bon, voilà, c'est terminé pour ce que j'ai acheté sur Vinted. Si jamais cet après-midi je reçois les colis, parce que j'ai deux colis qui sont susceptibles d'arriver aujourd'hui, si jamais je les reçois, je les ajouterai à la vidéo, comme ça vous pourrez voir. Pour ce qui est des essais de fringues, comme ça... je ferai sans doute un petit défilé avec cette robe là et avec l'autre, mais je pense que ce sera plus une vidéo qui va se retrouver sur Instagram, vous voyez, les genres de petits réels ou les IGTV, c'est toujours pas mal. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis peut-être un petit peu trop attardée, mais ça m'a vraiment plu en fait de discuter un petit peu avec vous, de vous montrer autre chose que de la nourriture et aussi de vous montrer que ben moi je. Enfin, mon pseudo c'est Maman Économe, mais c'est pas Maman Fauchée, c'est pas Maman. C'est plus Maman Fauchée, j'en ai déjà parlé, hein. J'ai pas de sous en fait, c'est juste que je fais attention à mes dépenses, mais quand je dois faire une dépense, je la fais, et quand j'ai envie de me faire plaisir, si je peux, je le fais, et c'est le principal. Donc moi j'avais un budget de 250 € pour tout ça,
Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse aussi. Après, clairement, je vais pas faire ça tous les mois. Parce que quand j'ai budgété, j'étais là, je fais... Mais voilà, il y avait des choses qui étaient nécessaires. Bon, voilà, je me suis acheté deux robes, mais c'est parce que... Bah moi en fait j'ai été pendant super longtemps sans acheter de fringues pour moi en fait, hein, vous voyez bien, donc faut que je refasse un petit peu ma garde-robe. Mais voilà, c'est pas des choses que je fais tous les mois quoi. Peut-être plus pour mes garçons, mais pareil pour mes garçons c'est pas tous les mois. Et là je vois par exemple il y a des t-shirts qui vont être un petit peu longs pour Valentin, des pantalons qui vont être un petit peu longs pour Valentin, donc j'ai un petit peu d'avance et ça c'est cool. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt.